Il parle de la dualité entre le voyage physique, le déplacement physique et le voyage intérieur. Est-ce que réellement tu es obligé d'aller en Patagonie pour te trouver, tu vois, ou est-ce que tu peux te poser dans une pièce ou dans un F1 porte de la chapelle et te poser réellement quelques questions, fermer les yeux, faire travailler ton imagination et te confronter à toi-même au lieu de te confronter au monde, quoi. Et puis c'est un peu la question centrale de Elasticity. Donc il y a plusieurs morceaux qui illustrent le déplacement physique et plusieurs morceaux qui parlent du déplacement intérieur et de la force de l'imagination, des sensations, etc. J'adore vivre dans la ville et la malaxer, quoi, l'essorer et en découvrir plein de facettes. J'étais, je pense, pas un très bon élève de solfège, tous les exercices techniques, etc. Quand il y avait des auditions, je jouais les deux premières lignes de la partition, tu vois, il y avait tous les parents, tous les autres profs, et j'avais une page ou deux de trucs que je devais jouer à la batterie, et je jouais les deux premières lignes, et ensuite je commençais à improviser dans le truc similaire, tu vois, et je voyais mon prof, l'expert, le directeur de l'école de musique qui avait la partition et qui était juste là, ce mec on a rien à foutre, mais moi voilà, je jouais de la batterie pendant 1 minute 30, boum, je m'arrêtais, les parents, tout le monde applaudissait et puis merci quoi. Enfin, je commençais à ressentir l'idée de pas considérer toute la musique comme quelque chose d'écrit qui doit se transposer mais qui est instantanément des parties de liberté à l'intérieur en fait. Là, maintenant, je suis en groupe, mais le groupe, on est quatre, mais il peut, si on peut être huit, parfois, on sera huit. Si tout à coup, on va jouer dans un endroit, je sais pas, dans une caverne ou un truc comme ça, où il y a beaucoup d'écho et qu'il va falloir jouer, j'ai très envie que ça se décline à une musique un peu différente. Et peut-être que dans 3 ans, on sera que deux dans le projet, peut-être qu'on sera six. Et ça va toujours évoluer, autant dans le live que dans les enregistrements, les esthétiques. Clémence, en fait, je pense que le premier... je me suis fait la réflexion au concert l'autre jour. Le premier... Can't wait to get there. Il faudrait qu'on le chante ensemble. On se fait quoi? Without a view. Let's go. Est-ce
d'être autodidacte comporte beaucoup d'inconvénients et beaucoup d'avantages. Et un des avantages, justement, c'est de garder une sorte de naïveté par rapport à plein de musiques et de ne pas pouvoir s'en emparer totalement, de se dire, ah voilà, les mecs, en jouant du piano dans la salsa, ils jouent, je sais pas, en mineur ou tel type d'accord, etc. Moi, je le sais pas. Par contre, je vais me dire, ouais, le mec, la manière dont il joue des percussions, là, me donne telle sensation, je vais essayer, moi, dans mon morceau, de recréer cette sensation, mais sans emprunter le style en entier. Donc je continue à faire la même musique, et évidemment que toutes les musiques que je rencontre sur mon parcours m'influencent. Quand je suis rentré du Mexique en 2013, je suis venu à Paris, j'ai rencontré Arthur qui est le directeur artistique en fait du label. J'écoute au moins une fois par jour. Et je suis arrivé au bureau et le rendez-vous informel qui devait durer 30 minutes s'est transformé en 5 heures ou 6 heures de temps où on a fini à danser les deux tout seuls dans le bureau, limite à se quitter, tu vois, en se faisant des gros câlins, quoi, et puis on s'est jamais dit ok, on travaille ensemble, quoi. Ouais, il est bien ghetto, tu vois. Il y a eu plein de clips qu'on a pu imaginer qu'on n'aura pas fait, mais il y avait des bons scénarios. Bon, on pourra le faire, hein. Ouais, on voulait faire une sorte de teuf, en gros, c'est que des personnages connus comme si c'était une sorte de paradis, et il y a la teuf sur ce morceau. Ah oui, Jésus-Christ, ouais, avec Che Guevara et puis Einstein, qui sont en train de faire la teuf. Ça a beaucoup changé ma manière de faire de la musique, parce qu'avant, je confrontais ma musique à personne. Je faisais pas écouter les trucs avant qu'ils soient complètement enregistrés, mixés, etc. Et là, tout à coup, je me retrouve au point éphémère à composer un disque, et il y a constamment du monde qui passe pour boire des coups, discuter, et là, instantanément, bah, ils entendent ce que je suis en train de faire. C'était beaucoup plus reggae rap, quoi. Merci, à bientôt. Merci, c'était trop cool.